Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors je sais pas encore exactement quel format ça aura au final. A priori je pense que ça va être des épisodes assez courts, mais on est donc sur Gris, un jeu indépendant qui était sorti, alors je crois que c'est l'an dernier, mais peut-être pas, peut-être que c'est il y a 2 ans. Hein, enfin je sais plus si c'est en 2020 ou 2019. Qui apparemment est très très bon. Alors j'avais vu le synopsis qui était un truc qui parlait beaucoup plus de voyage initiatif entre guillemets, de contemplation finalement que l'aventure en elle-même, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai assez hâte de le découvrir, donc c'est parti. Ok, bah déjà j'aime beaucoup l'OST. En tout cas la première musique était vachement sympa. Je sais pas si je vais beaucoup mettre la cam en vrai. Hein. Alors par contre je suis au clavier. Ah je peux pas reculer. Non si je peux reculer c'est juste que... Fallait pas que je sois en AZERTY. Ok, donc oui je joue au clavier. Peut-être que c'est une erreur. Tant pis. Et voilà, je pense que j'enlèverai sûrement la cam à différents moments mais... Pour l'instant, ils sont là. A priori, je peux que sauter et me déplacer.
mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas d'autres boutons, hein, a priori, pour l'instant. Parce que si j'appuie sur E, F, non. Bon. C'est marrant les paysages. Le level design. Alors a priori il y a des secrets dans le jeu aussi, hein. Donc on va peut-être fouiller des murs, peut-être faire des trucs 450 fois pour rien, c'est possible. C'est fort possible. Même si à mon avis ce ne sera pas un 100%, je pense. Enfin c'est une découverte quoi. Et c'est bon, on a une nuance de plus au niveau de la couleur. La couleur elle est légèrement changée, non? J'ai l'impression. Haha. Passer au second plan. Après, est-ce que ça c'est la route? Est-ce que ça c'est la suite ou encore vous? Il y a un truc là. Non. Ah, attendez, on va descendre. On va redescendre. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Ok, bon bah voilà. Au moins on sait. Bon, je risque de beaucoup spammer le bouton espace. Hein. J'aime bien faire du bunny hop dans les jeux de plateforme. Donc là j'ai deux espèces de constellations qui me suivent. Ah, et il m'en faudra une autre pour traverser. J'ai l'impression que c'est ça le bail. Il en faut trois, je crois. Oh, bah, elle est là. Yes. Ouais, non, ça, je peux pas grimper. Oh, c'est stylé. Au secours. Ah mais d'accord. Ah, je pensais que c'est un truc qu'il fallait récupérer. On peut pas sauter là-dessus. D'accord. Donc j'ai pas besoin du nombre de constellations exactes pour... Est-ce qu'il revient le drap? Genre si je saute là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a eu le truc. Je sais pas ce que c'est, mais on l'a eu. Ok.
Non, il n'y a rien à faire avec cette main. Je suis caché. J'aime bien la façon dont c'est fait. L'animation de quand tu fais ça. J'aime bien. C'est un détail. Ah bah, voilà, ok. Très bien. Tandis que les nuances de rouge. Rouge. Ah ouais, et tout. Tout est pris en compte. Genre même le ce qu'il y avait avant. Oh, stylé. Sympa. Bon, on continue. Pas de bouton pour sprinter ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que là. Pour l'instant. Je sais pas s'il y aura d'autres modes de déplacement ou autres qui vont se débloquer par la suite. Genre un double saut ou quoi. Mais pour l'instant, on avance. Je tombe là, non? Ah non. Huh. Yes. Yes. Ouais, j'ai peur que je puisse plus revenir en arrière après. Y a pas moyen de faire un truc avec ça là? Je pense pas. Hein. Ah. Ça a une physique, hein? Il y aura peut-être moyen de faire un truc plus tard. Je sais pas. On verra bien. J'ai peur de plus pouvoir revenir en arrière là. Mais ouais. En tout cas pas pour l'instant. Et s'il est cette salle. Yes. Donc ouais, c'est bien des constellations, finalement. A priori. Ok. Le petit oiseau. Non, mais je pense qu'on peut continuer. Continuons par le bas. Oula. C'est quoi ces symboles là? La tortue. Perplexe. Ah. Yes. J'espère que j'ai pas skip toute une grosse partie du level. Il y avait l'air d'avoir plein de trucs, je comprends pas.
Bon, on verra. On verra bien. Par contre, graphiquement, c'est vraiment méga stylé. Rien à dire. Les OST ont l'air folles pour l'instant. C'était donc l'intro. J'imagine qu'il faut que je fasse quelque chose. Je peux sauter. Allez, saute. Petit mouvement de cap pour amortir la chute. J'ai l'impression d'être au début là. C'est sûrement pas le cas. Oh, il y a un truc là. Bon, je sais toujours pas ce que c'est, mais je pense que c'est des secrets. On va dire que c'est des secrets. Alors, je sais pas ce qui va le plus vite en réalité. Hein. J'ai l'impression que c'est exactement la même. Hein. Avec potentiellement un ralentissement quand je chute, je suis même pas sûr. Bon. Tandis que les cailloux. Non, y a rien. Ah non! Ah, le vent! Je sens que je vais aimer cette mécanique. Là, je pensais qu'il y avait que les moulins ils s'étaient mis à tourner parce que je venais de passer. Qu'il y avait un truc en rapport avec ça. Là, le vent il revient. Bon, ça va, c'est pas trop violent non plus. Coucou vous. Ah non, le vent revient. Salut toi. Ouais. Dans la grotte, je suis protégé. Dans la grotte, j'ai l'impression que je suis protégé.
Bon à savoir, ça. Bon, ça paraissait logique quelque part, mais... C'était pas sûr. Après, je suis pas sûr que je sois protégé ici, en fait. Ça se trouve, c'était vraiment que la grotte. Merci. J'ai vu le moment où elle tombait. Je l'aurais mal vécu. Mais non. Attendez, il y a un truc là. Comment on l'a le truc là? Comme ça. Donc là on attend. Et là il n'y a plus le vent donc on peut y aller. J'espère que ça sera temporaire, hein, ce gameplay de vent. Parce que... Ouais, je... Je vois ce que ça peut représenter métaphoriquement, mais... Non mais, je vais monter là, et aller là. Ouais. Comment je casse? Bon. Pas l'air de pouvoir casser. Ça m'intrigue. Oui, parce que ça fait rien si j'appuie sur le bouton bas. Ça ne fait rien. Une structure. Ah. Ah! Maintenez K enfoncé. Ah ouais, non mais. Yes! D'accord. Les meilleurs boutons. Paf! D'accord. On va... Ah, mais du coup, ça va être pratique pour le vent, ça. J'imagine. J'imagine que ça veut dire que quand tu auras le vent, on fait ça. Et on bouge pas. D'accord. Bon, je jouerai peut-être à la manette hein, sur le prochain épisode. c'est pas impossible que je décide de faire ça. Je vous avoue. Paf. Yes. Encore un jour, on peut tout casser. Ça me va. Ah, mais du coup, est-ce que ça voudra dire qu'il y a des moments où il faudra bourrer des endroits comme ça? Pour trouver des trucs, c'est possible. C'est fort possible. Bon. Du coup, on peut aller là. Ah. Le vent ou pas le vent? Ouais. Ah, plus la même musique. Ah! On peut se déplacer comme ça.
Mais vous m'embêtez là. Parce que bien évidemment que j'ai envie de tout... Enfin... J'ai envie de casser là. Mais si je casse là... Hein? Ouais. Non, bon, allons de l'autre côté avant. Parce qu'on a l'air de pouvoir revenir. Avant de tout casser. Ah, paf! Il s'en fiche. Merci. Ok, là je peux toujours monter. On cherche un secret. Ah. Ok. Ça c'est juste la suite. Ah non, mais pas du tout. C'est bon. C'est bon, c'est un secret. Ok. Ah, ouais. Ça veut dire que je vais devoir me servir du vent? Du coup. Parce que là, ce saut-là, je le fais pas venir. Je pense pas que je le fasse venir. Donc là, j'attends le vent. Ah bah d'accord. Je pensais qu'il faudrait que j'appuie sur, sur le bouton pour faire ça au bon moment, mais ça m'a emmené direct sur le bon alignement. Nickel. Nickel, nickel. Bah, du coup, on a eu le secret. Pour repartir. Paf. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Pas l'impression. D'accord. Giling, giling. Ok, bah, je pense qu'on va casser ça. Ah ouais. Ah ouais. Tout casser. J'ai dit tout casser. Bon, attendez. Avant, on regarde quand même rapidement. Y a pas un truc à droite. Enfin, à gauche, là, pour l'instant. Est-ce qu'il y a un truc à droite? Non. Voilà. Donc, on peut reprendre notre programme. Tout casser. Par contre, on s'enfonce peut-être un peu trop loin. Je sais pas. Hein. Qui doute? Oh. Ah ouais. Trop bien. Trop stylé. Je trouve que l'imagerie... enfin, le... Ouais, je sais pas comment dire, mais le concept artistique est vraiment trop stylé. Voilà. Bon, ceci dit, on va s'arrêter là pour cet épisode. Au milieu de... toutes ces filles... très heureuses, visiblement. Hein, voilà. Mais surtout sur cette dualité que j'aime beaucoup. Attendez, c'est plus là. On va dire que c'est plus là. Ouais, là, il y a le signe de l'impact. Oh! Pourquoi ça les agite? Attendez, pourquoi ça les agite comme ça, là? Qu'est-ce que vous avez? Mais, attendez... Ils me font quoi, là? Ils m'attaquent? Non, ils sortent de moi, hein. C'est pas clair. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Gris. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis assez happé dans le truc. Portez-vous bien. Bye bye.